Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cet épisode du Guitar Vlog consacré ce soir à la gamme énigmatique majeure. Voilà, parce qu'il existe une gamme énigmatique mineure selon mes sources. Donc, sans plus attendre, je vais vous la faire écouter. Donc, elle porte bien son nom celle-là, d'accord? Voilà. Donc, je vous ramène tout en do, je vous fais écouter ça en do. Ok, voilà. Donc, nous avons. Fondamentale, logique, d'accord? Seconde mineure, tierce majeure. Quarte augmentée. Quinte augmentée. Sixte augmentée. Septième majeur. Septième majeur. Sixte augmenté. Quinte augmentée. Quarte augmentée. Tierce majeur. Seconde mineure et fondamentale. Vraiment, elle sonne strange celle-là. Donc, ce que je vais faire, je vais nous créer un backing track en temps réel. Hein, ok. Parce que vraiment, là, pour générer le son tout seul, c'est chaud quoi. Alors, sur la guitare, je suppose qu'au niveau des doigtés, le mieux à faire. Si jamais vous voulez développer. Ce type de gamme, donc pour bon, déjà l'accord fondamental, c'est ça, c'est majeur 7 augmenté dièse 5, quoi. Vraiment, vraiment strangeos le son. Alors, je vais nous faire un petit backing track bien strange. Voilà, créer vide. Hop là, je suis en temps réel, les gars. J'ai pas eu le temps aujourd'hui de bosser, quoi. Même, j'ai pratiquement pas touché ma guitare aujourd'hui. Hein, d'ailleurs, je savais pas trop quoi vous faire. Alors, il en reste des modes. Bon, là, je vais pas rentrer dans le détail. Je pense que c'est intéressant. C'est intéressant de savoir que ça existe, c'est toujours pareil. Après, de là, utiliser ça. Ceci dit, vous voyez, dans une musique de film, toujours pareil. Là, vraiment, il se passe quelque chose de moche, quoi.
C'est limite. Là, c'est l'œuvre d'Alien, quoi. Hein, clairement. Ok. Allez, j'enregistre. J'enregistre un truc vite fait. Hein. Ça fera l'affaire pour la deuxième partie. Hop. On est dans un laboratoire, les gars. Je vais mettre une petite couleur. Voilà. Parce que moi, j'aime bien mettre des couleurs aux pistes. Vous voyez, je trouve. Je trouve que gris, c'est triste, quoi. D'accord ? C'est juste ce truc de la sixte majeure là, c'est vraiment zarbi. C'est bon là. Poule. D'accord. Donc voilà pour cette gamme énigmatique. Donc pareil, peut-être que Boris nous éclairera avec ses lumières. Je sais pas vraiment où on peut la trouver. Voilà, c'est. Voilà. C'est vraiment. Je sais pas. Voilà, moi je suis un distilleur, si vous voulez. Après, je suis pas musicologue et j'ai rien trouvé en fait. Au niveau de l'historique de cette gamme, quoi, si vous voulez. Je sais pas comment on pourrait le considérer, parce que...
pour faire penser Do comme la fondamentale, c'est pas évident. Donc déjà, il faut, pour ceux que ça intéresse, hein, toujours pareil, hein, déjà, il faut penser. Si je devais improviser une pièce, qu'est-ce que je ferais ? Exemple, là, t'as les gars, désolé, hein, voilà, désolé, je sais pas quoi faire là-dessus, moi, tu vois. En tout cas, voilà pour cette gamme énigmatique qui porte assez bien son nom, je trouve. Mais bon, pas évident, c'est surtout ce chromatisme là qui. Je vous fais la gamme majeure avant. Je sais pas quoi faire. En fait, quand il y a un chromatisme comme ça dans une gamme, je trouve que c'est pas évident de faire entendre les notes comme des notes réelles sans que ça soit une note de passage. Les gars, pour cette gamme énigmatique, pardon les gars. Allez, à demain. Bye, ciao.